Je suis convaincue que bien communiquer, c'est une des clés pour être heureux dans sa vie professionnelle et personnelle. Et bien communiquer, pour moi, c'est deux choses. La première, c'est autour de l'art oratoire. Donc, c'est aimer et savoir prendre la parole en public. Ça va être à l'aise pour animer une réunion, pour pitcher un projet, pour réussir à convaincre ou à donner envie lors d'un pitch ou d'une vente, par exemple. C'est aussi créer des relations saines, positives et durables avec ses proches, ses collègues ou ses clients. On est en fait tous amenés au quotidien à gérer des conflits, à gérer des émotions, à devoir motiver une équipe, à devoir écouter ou négocier. Et on s'entraîne en fait un peu à tout ça dans mes formations, que ce soit en groupe ou en session individuelle. Ce sont des moments pour prendre de la hauteur, pour réaliser ce qu'on fait déjà de bien au quotidien, pour essayer des choses, pour aussi en apprendre de nouvelles et peut-être essayer de changer quelques mauvaises habitudes. On fait des jeux, on fait des mises en situation, des exercices filmés, on débriefe et on échange beaucoup. Et le tout dans une ambiance positive, dynamique et bienveillante. Je change complètement de toutes les formations d'habitude, il n'y a pas de PowerPoint, pas de prise de notes, c'est hyper ludique, il y a plein d'exercices super sympas, il y a une super ambiance. Donc voilà, ça change vraiment de tout ce qu'on a l'habitude d'avoir en formation. Je suis arrivée assez stressée à cette formation et au final, il y a vraiment une cohésion de groupe qui s'est créée, il y avait de la bienveillance, une super relation avec la formatrice. Il y a des trucs et astuces, des petites techniques que je vois tout de suite comment appliquer dès cette semaine parce que j'ai des réunions qui vont se présenter et ça c'est vraiment agréable, c'est vraiment le côté très pratique de la formation. On se voit tous évoluer tout au long de la journée, les progrès qu'on fait en termes de posture, en termes de discours, en termes de tics, et on repart comme transformé après cette journée de formation. Je suis réellement persuadée qu'on peut tous très bien communiquer, il suffit de s'entraîner.